Ok, quand vous voulez, ça tourne. Je trouve qu'elle sera bonne la première. Musique. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants. Banlieusard est fier de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants. Ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend. Deux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. Deux, parce que la vie est un combat. Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. C'est un pour les miens. Arabes et noirs pour la plupart. Et pour mes babdous. Prolétaire et banlieusard, le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, il y a de France qui peut le nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous, mais j'ai d'autres projets qui le retiennent ça. Je suis pas une victime, mais un soldat, regarde-moi. Je suis noir et fier de l'être, je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune dette. Je suis parti de loin, les pieds entravés. Le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver. Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course. Pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je rebelle comme écoué. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté. Et je continue encore. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système. Je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant, tout n'est perdant. Parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non? Les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos? Eux à l'ENA, nous derrière les barreaux. Eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts. Et le de nos problèmes, mais une question reste en suspens. Qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère. La violence et les civières, la prison et le cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur, mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent. Malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations. Malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions, leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. Il est temps que la deuxième France s'éveille. J'ai envie d'être plus direct, il est temps qu'on fasse de l'oseille. Ce que la France ne nous donne pas, on va lui prendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire puis en vendre. Si on est livré à nous-mêmes, le combat faut qu'on livre nous-mêmes. Il suffit pas de chanter, regarde comme ils nous malmènent. Il faut que t'apprennes, que tu comprennes et que t'entreprennes. Avant de crier, c'est pas la peine. Quoi qu'il advienne, le système nous freine. À toi de voir, t'es un lâche ou un soldat. Entreprends et bats-toi. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Diplômé, éclairé ou paumé, en 4x4 entromé, gentil ou chômé. La banlieue a trop chômé. Je sais ce que la France promet. Et que c'est un crime contre notre avenir que la France commet. C'est pour les discriminés, souvent incriminés. Les innocents qui traitent comme de vrais criminels. On a l'image de prédateurs, mais on n'est que des proies capables. Et coupable, exclu de l'emploi. Si je rechis comme un lion, c'est que je compte pas me laisser faire. Je suis pas un mendiant, je veux prendre ce qu'ils m'ont promis hier. Même s'il me faut deux fois plus de courage, deux fois plus de rage. Car il y a deux fois plus d'obstacles et deux fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura deux fois plus de coups. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai deux fois plus de coups. Les pièges sont nombreux, il faut que je sois deux fois plus attentif. Deux fois plus qualifié, deux fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec.
On est condamné à réussir à franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation. Où serait-on sans leur sacrifice comme Mahmoud Bortaïs? Bien sûr que le travail a du mérite. Ô combien j'admire nos pères, manutentionnaires mais fiers. Si on gâche tout, où est le respect? Si on échoue, où est le progrès? Chaque fils d'immigré est en mission. Chaque fils de pauvre doit avoir de l'ambition. Tu peux pas laisser s'évaporer tes rêves en fumée. Dans un hall en fumée, à fumer des substances qui brisent ta volonté, anesthésie tes désirs et noie tes capacités. Hey, on vaut mieux que ça. Rien n'arrête un bon lézard qui se bat. On est jeunes, forts et nos sœurs sont belles. Immense est le talent qu'elles portent en elles. Vois-tu des faibles ici? Je ne vois que des hommes qui portent le glaive ici. Bon lézard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Ce texte je vous le devais, même si je l'écris le cœur serré. Si tu pleures, pleure des larmes de détermination. Car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution. On enchaîne. Merci.